J'aimerais que tout le peuple de l'ESSEC et le jury, s'il vous plaît, applaudissent le BDA, digne représentant de la culture et des arts à l'ESSEC, s'il vous plaît. Sauf les réalisateurs, qui sont à AV et à CQL. Sauf les musiciens, qui sont à Mexico, à Jam. Sauf les danseurs, eux ils sont au BDS. Sauf... Attendez, est-ce qu'il y a sujet sensible au tout d'abord, je tiens à souligner qu'à l'origine, le sujet de ce débat était les acteurs du musical passent-ils sous le public. Bon, ça s'est transformé, hein. Les acteurs de comédie musicale sont-ils passés sous le public. Bon, je ne veux pas trop savoir ce qui s'est passé entre Raya et Clara entre temps. En tout cas, outre le fait que dans ce sujet, le BDA. Eh bien, je vous remercie puisque cette modification du sujet, qui a fait changer pastille en fonction de pastille, implique que nous avons réussi à Musical à atteindre des sphères jalousées par tous, qui, par mauvaise foi, explique notre succès par des actes de pure incompétence. Non, je ne vous dirai pas que Clara m'a avoué avoir hésité à participer à la guerre de presse. Non, je ne vous révélerai pas non plus qu'elle a insisté pour que je passe avec elle. Probablement pour éviter de tomber sur Noël, je comprends. Non, Clara n'est pas de ce genre-là. Vous savez, pour être président d'association, il faut avoir une main de fer. Il faut avoir de la poêle. Regardez Clara. Bon, je ne sais pas si on en a besoin d'autant ou pas sous du coup. Vous risqueriez de rompre la bonne entente. Mais revenons au sujet de ce sujet est complexe. Ce sujet est complexe parce qu'il ne traduit pas la réalité des choses. Pourquoi ? Réduire à acteur un artiste de comédie musicale, c'est comme limiter une campagne bleue à Figaro. C'est comme limiter l'élite de la France à SES. Musical représente 30% des numéros et 50% des chiffres de Sexy Catalan. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune BDR. Musical anime la soirée des Capsules du BDR. Musical accueille pour le rallye du BDR. En bref, pas de musical, pas de public aux events BDR. Pas de public aux events BDR, pas de BDR, pas de BDR. Pas de alors que, même sans BDA, Music Hall vous dit en jeu. Music Hall cartonne avec son concours intéressant. Et Music Hall jouera le 22 à la cible. BDA, on pourrait plutôt vous appeler le Bureau des Arts et de ou alors le Bureau de l'Essai. En fait, c'était bien essayé. Puis, soyons réalistes. Entre un éminent représentant de comédie musicale, comme John Travolta, 1m90, et Pablo Picasso, 1m60, selon vous, lequel des deux est le plus susceptible de participer? En bref, le Bureau des Arts n'a d'art que dans le nom, et l'enfuit tardard à la vie de leur cité à la cour. Bureau des airs, les autres artistes sont des terres. La queue du sarti est à nous, capituler, fuyez. C'est simple, le BDA, c'est comme la pute du vendredi. On passe devant sans s'arrêter, on passe dessus sans y penser. C'est vrai, toujours pas convaincu. Permettez-moi de finir sur ce dernier exemple. Prenez l'œuvre de René Magritte. Admirés par le public. Ce sont tous les d'aucuns vous diront que l'explication réside dans le fait que cette œuvre n'est pas une vraie pipe, mais la simple représentation de l'objet en lui-même. Mais alors pourquoi donc choisir ce sujet? Coïncidence? Je crois. Et je vais laisser à Clara et au BDA le soin de vous l'expliquer.
dans la matière.